en direct de petit entraînement aujourd'hui. Donc, petit conseil, pépite que j'avais à vous partager. Bon, c'est tiré de mon expérience perso et des transformations que j'ai pu voir autour de mes collègues coachs ou même des clients que j'ai eus. C'est faites pas l'erreur. C'est en fait, il faut faire l'inverse de la logique. C'est-à-dire que la logique voudrait que on est motivé à bloc. On est motivé à bloc, donc on en fait plus au début. Trois premières semaines, on en fait plus, on en fait plus, on en fait plus, on est à fond. Et en fait, la réalité, c'est qu'après, on s'écroule. Et il faut faire tout l'inverse. Pourquoi ? Je vous dis ça parce que, ben en fait, c'est prouvé que l'être humain, il monte en motivation progressivement. Et si vous faites la méthode donc des 4 P, c'est plus petit pas pertinent, vous allez aller beaucoup plus vite et plus loin en fait. Vite parce qu'on a toujours une vision à 90 jours, à 3 mois, un objectif. Donc au début, c'est même si tu fais 2, 3 exercices dans la séance, on revient demain, on en refait 2, 3, on revient demain. Et en fait, au début, on met la machine en route comme ça. Et derrière, c'est un régal parce qu'on voit des résultats sans que ça nous coûte trop d'énergie. Et le problème, quand on y va à balle, c'est que ça nous coûte trop d'énergie et qu'après, on se crache. Donc la meilleure méthode, c'est ne pas vouloir, ça y est, c'est les résolutions de janvier. Non, c'est pas ça. C'est pas en mode résolution de janvier. C'est petite, tranquille, habitude. Même moi qui ai fait des compètes de maintien physique, je repars à zéro. À chaque fois, je me suis laissé aller, je repars tranquillement. Et ça, c'est vraiment une des clés, les amis.